Salut à tous, c'est Gaëtan de la Team Balistique Bordeaux. C'est parti pour un nouvel Open Plus. En route, première étape du voyage, on va chercher Martin à Bordeaux. La route, on ne s'arrête jamais. On se retrouve avec Gaëtan. Gaëtan, c'est un peu un des vétérans et un des meilleurs pilotes de l'équipe. Voilà. On a récupéré le premier colis. Prochain arrêt, Châtellerault. On retrouve Charles, un autre vétéran de l'équipe. Hello, moi c'est Charles de Balistique, aka le Caméléon, on vous dira pas pourquoi. J'ai rejoint Gaëtan et Martin sur la route et direction Le Mans pour rejoindre notre quatrième joueur qui est déjà sur place, Steph. Du coup voilà, on est tous les quatre, on est bien arrivé sur le site du Mans avec la jolie cathédrale derrière. Donc voilà, on retrouve Stéphane et voilà, on a hâte de commencer le tournoi demain. Là, on est dans la chambre avec Gaëtan, on est bien installé. Donc voilà, là, le programme de ce soir, c'est on va aller trouver un endroit pour manger sympa ce soir. C'est pour une bière. Peut-être aussi. L'hygiène de vie par numéro 3 de Gaëtan, voilà. Ça fait gagner des open, les gars. Salut l'équipe. Vas-y. On fait quoi? On fait le celui où tu fais le main à main ou on fait avec comme pros, le process? Là on revoit les plays parce que moi j'étais pas là la semaine dernière par exemple, donc j'ai eu des petits ajustements et tout. Mise à jour technique, tactique avant le tournoi et comme ça on est prêt, après on s'échauffe et on enchaîne direct. L'objectif, il y a quand même des grosses équipes, enfin des équipes habituées 3-3 aujourd'hui, donc l'objectif. Ça serait une contre-performance, je pense, de ne pas aller en demi-finale. Donc l'objectif, c'est la demi-finale. Après, ça va être du bonus. Ça peut aller très vite, mais bon, voilà, l'objectif est la demi-finale. Allez les gars, on se chie pas dessus, allez. 1, 2, 3. Le match, moi le premier, je réagis mal. On va se reconcentrer, pas le choix. Bon appétit. On va aller chercher la victoire contre Bishop. Wow. On n'a pas le choix. Wow. Peut-être qu'on jouera mieux avec le couteau sous la gorge, qui sait. Vous jouez juste après là? Ok, cool. Ah, de me filmer toi là. On regrette pas surtout les gars, après ça peut arriver de se chier. Et il faut surtout pas qu'on regrette. On donne tout. Ils sont plus forts, on a déjà cramé le joker, on a plus rien à faire, faut aller jusqu'au bout. C'est parti. Blanc, vous voulez la balle maintenant? Ouais. Ok, donc balle pour Balistique, on débute le match, bon match les gars. Bien Steph, c'est bien, t'as été dur. Dépasse les gros, dépasse.
Bien sûr. T'as pas trop joué toi. C'est ça. Ils sont explosés, toi ça va. Les gars, c'est bon ça. Yes. Ah ouais. Les gars. Ouais, on est en cas. On s'est fait rentrer dedans par des jeunes et ils nous ont remis la tête à l'endroit. Moi je vous le dis, ça nous a fait du bien d'un côté. Là, programme, c'est on va manger un petit bout très léger pour pas avoir trop le ventre trop lourd. Et premier quart, après il faudra regarder l'heure et sur le terrain numéro 1, ça devrait le faire. On espère qu'on va faire le taf et on va rester bien concentré. De toute façon, c'est ça. Notre pire ennemi, c'est nous. Donc il faut vraiment qu'on reste bien concentré dans notre bulle, qu'on applique notre jeu et qu'on se laisse pas déstabiliser par l'adversaire, peu importe qui c'est. Allez, à table, c'est parti. Tu es le Charles Albert. Passé 28 ans. Il commence déjà à avoir les articulations qui coulent. Voilà, donc ça c'est son terrain favori, la table de massage. Pour les gars toujours pétés comme lui, c'est très important. 1, 2, 3, but! Gestion des temps forts, des temps faibles. C'est ça le plus important, on reste dans notre bulle. Pas manger trop non plus. Non, moi je sais même pas si je vais manger beaucoup, je pense pas. Faut garder la dalle, les gars, gardez la dalle. L'estomac vide, la dalle, la win. Ça c'est le... La win, mon gars. Ça c'est le mot du vlog, c'est garder la dalle. Si on n'a pas eu le temps de manger, donc bon, on s'adapte. C'est ça le 3-3, les Open Plus. Y'a rien qui se passe comme prévu. On perd le premier match, c'était pas du tout prévu. Alors, on se retrouve là en demi, impeccable. Les gars, je suis la malédiction est finie. On va y aller, on est en finale. Yes, on y est. Ça les gros. Un vaincu sur les finales, il faut qu'on maintienne ça les gars. On maintienne ça. On se fait sérieux, on est sérieux, on kiffe, ok? C'est ça le secret, on joue dur, on n'a pas peur de faire mal, on n'a pas peur de faire mal. Va pas falloir déconner les gars. Il va falloir jouer sérieux. Très très sérieux. Parce que ils vont vouloir leur revanche il y a deux semaines. Et ils ont. Ouais. Je pense que ils vont avoir la rage aussi. Donc va falloir rigoler. Moi je suis détendu déjà. Et moi je suis jeune. Donc... Il faut qu'on soit concentré à tout moment du match, ok? On est monté en puissance pendant le tournoi, maintenant il faut confirmer tout ça. Non, on peut tout donner là, il n'y a plus rien derrière. Exactement, on se donne à fond. Mesdames et messieurs, numéro 1 au classement de la Super League 3-3. Il passe la balle, il va perdre dedans, 3-0 Balistique Bordeaux, Hamza, qui attaque le cercle. Est-ce que le panier est refusé? Non, il est pas gardé! Les gars,
n'oublie pas l'objectif. L'objectif, l'objectif. Allez les gars, c'est pas fini du tout, c'est maintenant que ça joue, c'est maintenant, dur. Le cercle, trop facile, donne, Martin du point, début de ce point. Point de 8. Et oui, c'est le on l'a mérité, on est parti la chercher les gars. Bravo. Super les gars, bravo. Promise des récompenses pour le vainqueur de l'Opus 5000. J'appelle un Français. Fallait bien une dernière. T'en voulais une, t'en as une. C'est le 4ème Open Plus pour Balistic Bordeaux. Martin Vergès, Pascal, Gaëtan Bartowski, Stéphane Gauthier et Charles Albert. MVP, il est là. Le MVP, il est là, mon gars. Monsieur Stéphane Gauthier. Monsieur Stéphane Gauthier, MVP Caisse d'Épargne. On est bien monté en régime. On s'est fait peur quand même sur les phases de poule parce que bah, du coup, on partait avec une défaite et c'est jamais évident. Surtout que Bishop, c'est quand même une belle équipe aussi, mine de rien. Donc... C'est vrai que ça va être difficile. Et finalement, après, on s'est rendu le tournoi facile. Ça nous a mis un petit électrochoc. Et à chaque fois, on s'est dit que voilà, il fallait commencer dur. On l'avait pas fait sur le premier match. Et du coup, sur tous les autres matchs, on a déroulé, on a été agressif et ça nous a servi de leçon. Et du coup, ça a été positif pour la fin du tournoi. Voilà, voilà. Pour notre petite journée Bordeaux balistique. J'espère que vous avez bien aimé. Ah oui. J'espère que ça nous a plu. Nous, on passe du bon temps. J'espère qu'on va pouvoir vous en faire profiter un peu. En tout cas, nous, on s'éclate et on invite tout le monde à venir jouer au 3-3. Les gars, on vous donne rendez-vous le 21, 22, 23 à Reims pour l'Open de France.